J'habite à Romanange depuis 1993, donc ça fait 30 ans. J'avais acheté la pisciculture et mes deux fils se sont donc installés en Gaec. Je trouve que c'est une vallée magnifique. Quand je faisais mes tournées, j'étais émerveillée tous les jours, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, j'étais émerveillée tous les jours, quoi. Quand vous êtes au col du lac, par exemple, vous avez une vue extraordinaire et d'où que vous soyez, à chaque virage, vous changez de paysage. C'était un rêve d'habiter dans un coin pareil, quoi. Pour moi, c'est le paradis, quoi. C'est vrai que l'hiver est un peu long, c'est un peu froid. J'ai pas toujours la lumière que je voudrais l'hiver. Mais je m'en accommode et dans ma maison, je suis bien et je suis seule au monde. C'est le paradis pour moi, franchement. L'hiver, c'est très froid, très peu de lumière. Par exemple, ici, l'hiver, c'est le soleil arrive à 10h et à 14h, il repart. Tout à fait amoureux de l'Auvergne. Évidemment, quand on arrive dans un château comme l'Auvergne, qui n'a pas bougé depuis les derniers travaux de 1905, on tombe amoureux du château, bien sûr. Hein. Je ne crois pas me souvenir d'un jour où je n'ai pas escaladé l'escalier de la tour, hein, sans caresser la pierre. C'est vivant, la pierre. Hein. Et prenons notre vallée du Mars, par exemple. Je raconte l'histoire du jeune Monclar, Hugo de Monclar, et de Yolande de Clavier, et ces deux jeunes gens qui s'aimaient il y a un peu plus de 500 ans, et dont le père va décider autrement, le père de la jeune fille, et pensant que son père a assassiné son amant le jour d'un mariage qu'elle a refusé et que le père a considéré quand même valide avec un riche aristocrate de la région, folle de rage, elle va mettre le feu au château. Donc il est possible que le château de Clavier, qui était de l'autre côté, est brûlé, mais peut-être que c'est autre chose. Mais ça fait une légende, et l'emplacement de Clavier près du village de Jaillac est un endroit totalement magique. Il y a une vieille chapelle romane qui abrite une Vierge en Majesté, et cette Vierge en Majesté, Notre-Dame de Clavier, est cachée dans son recoin, dans son petit vallon. Elle est tout à fait poétique. Et quand on monte vers la statue de la Vierge qui domine la vallée, on est vraiment là dans un endroit magique où tellement de choses ont dû se passer. Je cite Jaillac comme un endroit emblématique pour moi. Et je pense que tout le monde y est sensible. Enfin, tous les habitants de la vallée sont sensibles à la magie de la vallée. Thank you.
petite. Et cette pierre Moyen-Âge, ça s'appelait le calvaire. C'était d'accord. Censé protéger le bâtiment, mais en général, quand on protège le bâtiment, il n'y a qu'une croix. Quoi. Ouais. C'est qu'elles sont spéciales, elles ont un pied, elles ont deux. C'est la seule qu'ils ont trouvée faite d'une seule pièce. D'accord. Peut-être qu'il y a probablement d'autres, mais que les moulins étaient démolis et puis qui n'existent plus. Quoi. Elle est faite d'un gros arbre, elle ne se mouillait pas. Quand on y est arrivé en 1995, ça a pu le chevet, quoi. Et le grand père de Saint-Gazier, quand ça a fermé, était sensiblement dans le même état, quoi. Je l'ai découvert grâce au film de Denis Imbert, Mystère, qu'on a tourné juste en bas, au Falgou. Et j'ai eu la chance de m'occuper des loups. Et Denis Imbert est tombé tout de suite amoureux de l'endroit. C'était vraiment une chance pour nous de tourner dans cette vallée. Vincent Théris, il nous a beaucoup aidé parce que, comme il est guide de haute montagne et qu'il connaît absolument par cœur la région, il nous a amené directement dans les bons endroits. C'est comme ça qu'on a découvert l'Impramao, c'est comme ça qu'on a découvert plein de lieux fantastiques ici où on a fait vraiment des très belles images. Grâce à lui, on n'a pas perdu de temps, on en a gagné et on a trouvé des endroits fantastiques. Et au col de lac, on a filmé au-dessus sur un buron en ruine qui est à ma droite et on a filmé à ma gauche sur une route, c'est les premières images du film. Donc on a passé deux journées ici. Et pourquoi on t'appelle Azaï, du coup, ton... Mais c'est quand j'avais fini le boulot le soir, j'ai dit, les gars, allez, je vais fermer, je suis Azaï, je suis fatigué. Alors voilà, ils m'ont appelé Azaï, allez, où il est Azaï? Ici, là, et puis là tu regardes, tu vois le Puy-Mary, tu vois la Chaploune, tu vois la Ozière, là, tout, le Redondé, voilà, là, après la Brèche de Rolla, le Puy-Viola, et là, un peu plus haut, tu vois Salers. Donc ici, effectivement, on se trouve sur un point un peu haut de la forêt communale du Falgou, qui a la particularité d'avoir été le don du seigneur de Champs. Donc on remarque bien que ce glacier a pris une direction pratiquement ouest et au bout d'un moment s'est heurté à ce nec basaltique qui est le roc du Mer, a contourné le roc du Mer qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est très très dur et est passé pratiquement sur la totalité de son volume sur l'extérieur droit. Une petite partie s'est déversée de ce côté et ensuite donc le glacier a repris son chemin, a creusé une des vallées les plus profondes du massif central sur environ une quarantaine de kilomètres. Après, une autre particularité, c'est les éboulis qu'on peut remarquer ici. Une très belle éboulie qui se trouve au niveau du village de la Franconèche, donc toute essentiellement du basalte, donc des orgues basaltiques qui ont été érodés
par le glacier, qui sont à peu près de la même nature que le neck basaltique du roc du Merle. Michel était moniteur de ski, moi j'arrivais avec une école bretonne. Parce que je pense que si j'étais arrivée ici comme ça, Michel, sa ferme et moi là, venant d'ailleurs, connaissant rien l'agriculture, je pense que ça aurait fait peut-être un grand choc. Bon là, le fait que je travaille avec lui, donc ça m'a beaucoup aidée à m'intégrer, pas forcément avec les gens, parce que j'étais d'ailleurs, et on reste toujours d'ailleurs, et ça c'est pas grave, ça m'a pas gênée, ça m'a même fortifiée. C'était des grandes familles, des gens qui n'avaient pas besoin des autres, ils étaient assez eux. Donc oui. Moi, heureusement que j'ai eu la colo et tous ces gens qui venaient aussi d'ailleurs, qui ont apporté une vie absolument extraordinaire. C'est pas évident non plus de vivre ici à l'année. Non, on arrivait ici, on n'avait pas de route, on a mis 12 ans avant d'avoir une route. Quoi. C'était... C'est vrai que c'est beau, mais c'est vrai que ça peut nourrir une certaine philosophie de vie, de bien-être. Hein, parce qu'il faut... Oui. Moi, chaque matin, j'ouvre la porte, je trouve que c'est magnifique 44 ans après, donc c'est bien. Mais après, il ne faut pas s'ennuyer non plus. Oui. Donc pour moi, en tant que guide de montagne, la vallée du Merle, c'est un petit joyau, dans le sens où il y a énormément d'activités de pleine nature à faire. Il y a un côté sauvage que j'adore, que j'aime éperdument. On est souvent seul sur les crêtes. On est un petit peu en dehors du GR400 et de l'autre côté le potentiel est énorme au niveau des cascades puisque c'est un petit temple du canyoning ici dans la vallée du Merle. J'ai fait du canyoning à travers le monde et il y a une chose que j'ai trouvé que dans le Cantal, c'est les fameuses colonnes de lave solidifiées. Elles peuvent faire quelques mètres ou 50 mètres de verticalité sur lesquelles l'eau ruisselle. Et c'est un enchantement de descendre en rappel sur ces colonnes de lave qui sont super impressionnantes. Et encore une fois, pour moi, c'est unique au monde. Et puis, sa particularité, c'est qu'elle est belle. Elle a une simplicité, elle a une beauté qui ravit et qui fait qu'on est bien, qu'on se sent bien ici. Ces rochers là, tu vois, ouais. C'est le roc des ombres. Ah oui, puis l'arrière, la bobe. Ouais. Au Taoul, ils étaient 70-80. D'accord. À l'année. Toutes les maisons étaient pleines, toutes les maisons étaient pleines. Et après, au Falgou, il y avait deux écoles en haut et une école de filles en bas. D'accord. C'était quand même... Et au Falgou, il y avait combien d'habitants à peu près dans les années 50, on 60, est arrivé là. 70. Il y a des années où elle a passé 1000. Et alors, quand ils ont bâti le bâtiment, là, ils montaient le sable et les ciments à dos de bourricots. Après, au-dessus, là. Tu ne pouvais pas faire avec les chars, tu coupais des arbres entiers, tu les écarissais, tu chargeais dessus, tu faisais glisser ça jusque dans la grange. Il n'y avait pas de roue, tu vois. On appelait ça faner à la chime. On avait beaucoup, hein, en Auvergne encore, qui sont presque inaccessibles. Tu ne nous montrerais pas ça, je n'y serais jamais allé. Thank you.
Donc moi je suis Mathieu Dex, je suis né à Aurillac dans le Cantal, donc très attaché à ce lieu. J'ai fait mes études en Auvergne, puis à Lyon, et pour finalement travailler à Paris. Et au bout de quelques années de rythme de vie parisien, je suis tombé dans le cliché de « j'en peux plus ». Et je passais une trop grande partie de mon temps sur le Bon Coin à chercher des maisons dans les montagnes. Moi, c'est Nadia Péchaud, je suis née à Aurillac aussi. J'ai toutes mes attachées, toute ma famille ici, notamment dans la vallée juste à côté, la vallée de Mandaille. J'ai fait mes études d'infirmière sur Paris. Et bien, exactement comme Mathieu, je suis tombée de 7 ans dans le cliché du Mar, du métro Boulogne. Gros manque de nature, de montagne, de zénitude, voilà, de changement, une envie de changement total de vie. Donc je suis rentrée sur Aurillac un petit peu avant Mathieu. Et on a trouvé cette magnifique maison, on est tombé amoureux de ses pierres, tombé amoureux de cette vue. Donc ça a été une évidence d'acheter ici et surtout de faire connaître cette vallée. Cette vallée et le Cantal. En fait, on a découvert la vallée du Mar, qu'on connaissait peu, par le col de Lac et par la randonnée qui part du col jusqu'au puits de la Tourte. On l'a fait pendant l'automne, donc dans des conditions semi-hivernales, alors qu'on était début octobre. Et on s'est dit, waouh, il se passe quelque chose ici, c'est vraiment magnifique, ça nous dépayse, alors qu'on connaît plutôt bien le Cantal. On n'est pas tant que ça habitué à ce genre de paysage. Donc de grands plateaux soumis au vent, avec la vallée en contrebas, et on envoie tous nos hôtes faire la balade. D'accord. Boulanger, ça fait 10 ans que je suis dans la vallée. Du coup, pourquoi on est arrivé dans le Cantal, surtout dans la vallée du Mar, c'est parce qu'elle était super belle, qu'il y avait tout à créer, que tout est possible à faire ici. Que faut pas se mentir aussi, niveau accessibilité des prix, c'était ici très attrayant. J'ai vécu 2 ans à l'étranger, j'ai commencé à faire le pain. On était plusieurs à vivre dans la même maison en colocation et du coup, voilà, je faisais le pain français. Voilà, tous les vendredis soirs ici l'été, il y a une quarantaine de personnes à peu près qui viennent, c'est très festif, vivant et voilà, c'est ça pour moi le plus important. On est là pour qu'une seule chose, c'est se retrouver et faire vivre la vallée. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est réussir à reconnecter ensemble. Et on s'en fiche des candidats-t-on et des... Oui, ça sent, voilà, on est là tous pour la même chose, c'est la vallée.